tout bientôt. Et nous y revoilà. Hop, la partie a été sauvegardée. Oink, oink. Donc cette fois-ci, on va essayer de faire tomber la statue. En utilisant déplacer. Et on tire la statue. Oink. Vous entendez un clic. On réessaye. On réessaye. J'ai envie de voir. Quoi ? Que se passe-t-il ? Là, elle doit avoir trouvé quelque chose. Cette fois-ci, ça marche. Vlad, tu as trouvé. Delos. Beau travail, Vlad. D'où vient ce trou? Quand Vlad allait placer les statues, deux rayons de lumière en sont sortis et le trou dans le sol est ouvert. Vlad a poussé la statue. Au boulot, tout le monde. L'énigme de la statue était le piège. Et cette autre statue était là pour le désarmer. Désarmer un piège. Maintenant qu'il est désarmé, tout devrait bien se passer. On est reparti. Je serai dans la salle de Luna. Vous vous occupez du reste. Est-ce qu'on peut faire le tour? Voilà. Allez, allez. Allez, hop. On va avoir droit à l'animation à chaque fois ou pas? Non, c'est bon. Parce que bon. Allez, allez. On y est presque. On y est presque. Les deux symboles sont les mêmes. Oh là là! Regarde là, Luna s'est transformée en sol! À part ça, rien n'a vraiment changé. C'est étrange, ils ont mis un piège ici, et c'est tout ce qui se passe. Quelque chose d'autre doit avoir changé, il faut savoir quoi. Bah écoute. Ah bah voilà! Regarde le symbole sur sol, il a changé de sol à Luna. Vraiment, il doit y avoir quelque chose dans cette pièce. Je sais pas, un rayon lumineux. Ou un portail. Ah, ça doit être ça. Allons-y, Vlad. Attends, Vlad, j'arrive. Ah ouais, carrément, quoi. Le monde des esprits ou une bêtise du genre. Où sommes-nous? T'es pas encore arrivé, mec. L'océan. T'es pas beaucoup descendu de ta montagne, toi. Non, impossible. Un océan a des vagues. Merci, mieux, monsieur. L'océan, c'est quoi? Toi, t'es jamais descendu de ta montagne. Au bout du monde, il y a un os. Il y a l'océan. Une étendue d'eau infinie. Tu ne pourrais pas comprendre. Un jour, je te le montrerai. Je sens Obi-Wan Kenobi arriver.
Les étoiles élémentaires. Elles existent, les étoiles élémentaires existent. Vous nous avez appris que les éléments sont la source de toute matière. La pierre, le bois, tout est composé de ces éléments. Ai-je bien compris, Vlad ? Pourquoi on me demande à moi ? J'ai envie de dire oui. Exactement. Comme je te l'ai souvent dit, les éléments sont la source de toute matière. Terre, eau, feu et air sont les quatre éléments. La légende dit que les quatre étoiles élémentaires contiennent l'essence de chaque élément. Maintenant, ces pierres légendaires se trouvent devant nous. Boum. L'étoile de Vénus, la pierre élémentaire de Terre. L'étoile de Mercure, dont la forme varie comme celle de l'eau. Mars, oui, l'étoile de Mars, rouge comme le feu qu'elle contient. Et l'étoile de Jupiter, maîtresse de toute forme de vent. Oui, c'est pas mal. On va faire un petit tour. Ouh, il est content. Telos, pourquoi es-tu si excité? Comment veux-tu rester si calme face à de telles merveilles? Tu es devant l'origine même de l'alchimie. Je te l'avais pas dit avant. Ah non. Tu dois avoir du mal à tout assimiler alors. La pierre de sagesse, la pierre des sages. La pierre philosophale quoi. Cette pierre domine tout. Elle transforme le plomb en or et on peut même vaincre la mort. Hein. Tu commences à comprendre, hein? Bah oui. Une armée de morts vivants qui servirait mon destin. Non, c'est pas ça. Tant pis. L'étude de l'alchimie commence avec la recherche de cette pierre. Yo! Coucou Salania. Bah écoute, ça se passe bien. Hein. On a perdu le son un moment et puis après c'est revenu. Il a fallu que je relance l'émulateur et puis on est bien, on est bien. Donc je verrai ce que ça donne au montage. Je comprends pas comment ils fonctionnent, mais ils ont un pouvoir gigantesque, pas vrai? Ouais. Ah bah encore à vélo le gars, quand même. Encore à vélo. Encore à vélo le Salania. Ils ont un pouvoir gigantesque, pas vrai? Au-delà de gigantesque, avec une seule de ces... J'aime, on peut conquérir le monde. Peut-être que tu commences à comprendre. Et tu veux conquérir le monde? Ne nous effraie pas comme ça, Telos. J'ai vraiment cru que t'étais sérieux, conquérir le monde. Qui peut dire quelle est la vérité? Les grands méchants. C'est pourquoi je cherchais les étoiles élémentaires. Ou j'aimerais résoudre le secret qui les entoure, c'est bon. Elles sont devant moi. Ouais. Sois prudent, Telos, ça a l'air glissant. Et je dois examiner les étoiles élémentaires. Une idée brillante. Demande au garçon. Évident. Ça me gêne un peu. Vous pouvez le faire? Je suis sûr qu'il sera ravi, pas vrai, Vlad? C'est le scénario, oui. Merci. Tu auras besoin de ça, Vlad. Ils viennent de ta chaumière, pas vrai, Telos? À quoi servent-ils? Ils sont faits de fils de mithril tissés. Ah ouais, carrément. Je m'étais préparé pour une telle occasion. Va chercher les étoiles élémentaires et mets-les dans ces sacs. Bon bah c'est parti. Ah, 4 sacs de mithril. Bon bah c'est parti. Donc, ah. On tient un ordre à respecter. Partez. Hop. Oh. On va par là alors. Non plus. Aïe aïe. Toujours commencer par un côté. On parie que j'ai fait tout le mauvais côté à chaque fois. Hop. Ah
Allez. Tu vas y arriver. Allez, Vlad. Bon, évidemment, on va déstabiliser l'univers tout entier avec sa bêtise, mais... Il y a sûrement un ordre optimum pour toutes les récupérer du premier coup, mais... On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Hop. Vlad a placé l'étoile de Vénus dans son sac de mithril. Bien, bien, ramène-moi les autres. Hop. Allez. Non. Ah, je me trompe dans mes boutons. Là. Bah c'est sûr, ça a facilité le retour. Donc la Mercure. Youpi. Étoile de Mercure dans le sac en mithril. Bien, bien, ramène-moi les autres. Non mais tu vas te répéter combien de fois, mec? On peut pas passer par là. Hop. Allez. Hop. Ah bah non. Ah, ah non, faut faire le tour par l'autre côté. Allez. Allez. Hop là, on est parti. Bonjour. Don't mind me. Non. Pas par là non plus. Non, allez, laissez-moi passer. C'est où? On dirait les followers dans... Hop! Dans Skyrim. Non, hop! On va y arriver, on va y arriver. Et voilà, les piliers qui nous manquaient. On va y arriver. Allez. Alors, ça c'est Jupiter. Pour le vent. Ah! Ah ah ah, il se passe quelque chose. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? La musique s'est arrêtée. Et le vieux monsieur n'a pas dit bien bien. Oh, les méchants! On dirait qu'ils nous ont repérés. Non, dis donc. Nous devons être tranquilles jusqu'à ce qu'ils les aient toutes les étoiles élémentaires. Vous, vous êtes là pour voler les étoiles élémentaires. Maître Telos... Nous prenez-vous pour des voleurs? N'est-ce pas vous qui avez volé nos informations? Qu'allez-vous faire quand vous aurez les étoiles élémentaires? Je pense qu'ils nous liquideront lorsque nous leur servirons plus. Eh oui. Ouh. Nouveau méchant. Calme. On ne vous fera pas de mal. Il a un masque, c'est forcément méchant. C'était ce que nous avions convenu, hein? Tout dépend de leur coopération. Ils sont en sécurité tant qu'ils nous apportent les étoiles élémentaires. N'est-ce pas suffisant? Apparemment, oui. La liquidation après, ça sera... Ça ne fait pas partie du plan. Vous avez entendu? Vous voulez sauver vos amis? Pardon. Vous avez entendu, si vous voulez sauver vos amis, donnez-nous les étoiles élémentaires. Acceptez-vous nos conditions? Ayez... Là, comme ça, avec un pistolet sur la tempe. Oui? Non, Vlad, ne leur donne pas les étoiles élémentaires. Pourquoi? Tu ne tiens pas à tes amis? Quelle garantie avons-nous que vous tiendrez vos promesses? Des garanties? Ah, j'en ai une. Tu vas devoir enlever ton masque. Cela signifie... Ah, bien sûr, bonne idée, il sera notre garantie. C'est Pavel! Vu les circonstances, nous n'avons pas le choix. Pavel, enlève ton masque. Et je l'avais dit, je l'avais prévu, le twist.
Quoi ? Qu'a-t-il dit, Vlad ? Il l'a appelé Pavel, c'est ce qu'il a dit, non ? Bah oui, 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 si, j'étais là. Hein. T'as entendu la même chose ? Pavel, impossible ! Ce jour, le rocher, nous l'avons vu mourir, non ? Techniquement, non, on l'a pas vu mourir. Nous avons cherché pendant des semaines sans le trouver. Qu'a dit Pavel ? Tu ne veux pas qu'il se sente en sécurité ? Pavel, ce n'est pas le nom de ton frère ? Non, non. Mais cet accident, mon frère, il... Je vais le faire. Je vais enlever mon masque. Ah ! Et c'était lui, depuis le début. C'est pas possible ! Gros, c'est... Je sais que je t'ai fait beaucoup de peine, Luna. C'est un miracle que j'ai survécu ce jour. C'est nous qui l'avons sauvé. Nous l'avons vu en train de flotter dans la rivière. Et depuis, je suis resté avec eux. J'ai beaucoup appris. Mais pourquoi ? Pourquoi m'as-tu laissé toute seule ? Pour le pouvoir. Lina. Mon propre frère, je te croyais mort. On va remettre cette touchante réunion à plus tard. C'est vrai, les étoiles élémentaires sont plus importantes. Est-ce acceptable ? Elle ne nous laisserait jamais faire de mal à sa sœur. Pavel sera notre garantie. Donnez-moi les pierres, les étoiles élémentaires. Pierres, cailloux, enfin bref. Nous n'avons pas le choix, tu crois qu'on doit leur donner ? Bah non. Si on ne leur donne pas, ils ne la relâcheront pas, Lina. Garrett a pris les étoiles élémentaires. Oh, trahi par mon meilleur ami. Wink, wink, wink. Oh, qui es-tu, toi ? Allez-vous me laisser les étoiles élémentaires ? Oh, Alex, tu es en retard. Alex est un de nos compagnons, donne-lui les bières. Ah bon, bah d'accord. Génial, après qu'on ait fait tout le travail. Karen donne les étoiles élémentaires. Je m'excuse par avance. Mais il va falloir nous emmener la dernière étoile élémentaire. Attends ! Vous voulez qu'on prenne l'autre aussi ? Oh, vous n'avez pas compris. Tu as dit que tu libérerais Lina si on te donnait les étoiles élémentaires, t'as promis. Non, mon ami, nous voulons toutes les étoiles élémentaires. Arrêtez de marmonner et amenez-nous l'étoile. Bon bah oui. C'est bien, tu es un brave petit. Nous attendons la suite. Allez ! Allez ! Wink, wink, wink. Ça semblait si bien parti. Là, j'avoue que je... J'ai perplexitude. Je peux pas passer par là. Par là. Bonjour. Je peux pas passer. Ah si, ok. Dis Pavel... J'aurai deux mois de dire après. Non plus. Ah, faut refaire le tour. Aïe aïe. J'espère que vous aimez ce petit bruitage de saut. Forcément, en plus, quand je me plante de chemin, c'est pas drôle. Hop. Allez hop. Non, c'est pas le bon chemin. Et hop. On y est presque. Vlad a placé l'étoile de Mars dans le sac de Mithril. Et le monde est déstabilisé. Et ben voilà.
Et voilà, la nation du feu attaque. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Non, pas encore! Il n'y a plus d'eau! Privée de l'énergie des étoiles élémentaires, la salle s'effondre. Eh oui. Est-ce cela le terrible châtiment dont les villageois parlaient? Non, ça doit être la puissance de l'alchimie. Je dirais un village construit à côté d'un volcan, avec un truc qui fait que... Il y avait de l'eau qui refroidissait le volcan, à tout hasard. Phew, c'est fini, qu'était-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Ouh, un nonneuil. Bonjour monsieur le nonneuil. Ce rocher, il flotte. Tu sais ce que c'est, Vlad? Bah non. Moi non plus, on dirait que quelqu'un utilise de la petite énergie pour le soulever. Est-ce que ça pourrait être inexorable? Un tel pouvoir, c'est incroyable. Oh. Ouah. Il doit protéger les étoiles élémentaires. Ça semble aussi, nous devrions partir tant que nous pouvons. Mais il nous faut l'étoile de Mars, coûte que coûte. Je pense que Pavel, nous ne faisons pas le foie face à l'inexorable. L'étoile de Mars attendra un autre jour. Et Vlad et Carrette, on ne peut pas les laisser ici. Oh, tu vas voir, regarde. Oublie-les, ils ne s'en sortiront pas vivants. Oui, mais Salamandar, ils ont une chance de survivre. Tout est possible, que suggères-tu? Nous emmenons Lina avec nous. S'ils survivent, ils viendront la chercher. Et s'ils viennent la chercher, ils nous apporteront l'étoile. Quoi qu'il en soit, Telos doit venir avec nous. Il est lié à tout ça. Alex, tu rends ta promesse. Les conditions ne sont plus les mêmes. Lina a rien à voir à tout ça. Je ne vous laisserai pas lui faire de mal. Faites ce que vous voulez de moi, mais laissez partir Lina. Ta bravoure est tout à ton honneur, vieillard, mais tu ne peux pas aider Lina pour l'instant. Si nous laissons Lina, elle mourra sûrement. Est-ce que c'est ce que tu veux, Pavel? Allez hop, tout le monde dort. Nous devrions continuer cette discussion ailleurs, Pavel. Pavel. Peut-on partir maintenant? Dépêche-toi, Wink. Hey, pousse pas ma sœur. Fais attention à ce que tu dis. Tu nous dois la vie. Phoenixia! Maître Telos, vous allez nous accompagner, bien sûr. C'est un moment intense. Vlad, Garrett, ne mourrez pas! C'est pas le plan. Le jeu serait très court si on mourait maintenant. L'étoile de Mars. Quel dommage qu'on doive la laisser, mais nous la reverrons sans doute. Pardon. Ils étaient cachés. Ça s'est pas super bien passé, hein? Ben non. Comment peux-tu être aussi calme? Lina et Telos sont partis, oui. Tu ne penses pas qu'ils leur feront du mal quand même? Ah, ça devrait aller. Ouais, tout ira bien. Pavel est là. 3 ans qu'il a pas donné signe de vie, le mec. Le caillou qui vole avec un non-œil, il est parti. Y a plus de musique. C'est vraiment terrible. Nous avons du chemin à faire si nous voulons nous en sortir. Oh oh. Nous sommes dans le beau drap. Oui. Ils l'ont d'ici. Oui. Oh, le non-œil. Bonjour monsieur le non-œil. Hé hey, Vlad, es-tu là? Nous devons fuir. Pourquoi restes-tu ici? Cet endroit est très dangereux. C'est toi qui es dangereux.
C'est un caillou qui fait de la synergie. Il calme le volcan tout seul. Le volcan va entrer en éruption, je ne le retiendrai pas longtemps. C'est un gentil caillou qui vole avec un non-œil. Oui, re Salania. Eh ben écoute, ouais, t'es caillou. Je pense que je vais pas tarder à arrêter. Parce que du coup, ça fait déjà 2 heures. 2 heures et quelques. Donc, après, je vais essayer de voir si je peux remonter les vidéos. Et on verra pour la suite. Si j'arrive à faire quelque chose de bien pour YouTube, j'ai fait des pauses à peu près toutes les demi-heures, à peu près. 25 minutes, 35 minutes. Et puis on verra ce que ça donne. Vous devez quitter cet endroit. Oh! Qu'est-ce qu'il nous fait? Les djinns élémentaires, ils sont revenus. Prenez l'étoile élémentaire. Bah oui. Hop, coucou. Oulala. Remets-la dans ton sac. Ok. Les étoiles élémentaires s'éloignent. Ok. Sans le pouvoir des étoiles élémentaires pour le contenir, le magma s'est libéré et cette salle commence à s'écrouler. Les étoiles élémentaires n'auront nulle part où revenir. C'est ballot ça. Mais du coup, ça veut dire que le village dans lequel on vivait jusqu'à maintenant va être complètement enseveli par un volcan. Vous connaissez le principe du Vésuve, Pompéi. Le monde sera vulnérable face à la menace de l'alchimie. À la menace de l'alchimie. L'alchimie, une menace. Elle peut être dangereuse entre de mauvaises mains. Si les étoiles élémentaires allument les feux des 4 phares, ce pouvoir sera libéré. Tant que les 4 phares restent éteints. Allez Caillou, sauve-nous encore un peu. Merci, gentil Caillou qui vole avec un non-œil. J'ai l'impression que tu vas pas tenir bien longtemps. Le volcan, il entre en éruption, fuyons maintenant. Ah, il fuit aussi le caillou, c'est sympa. Mais comment? Ah, je vois, je vais vous aider. Va nous téléporter. Beam me up, Scotty. Et voilà. Ouh. Oh là là. Oh là là. Cet œil volant nous a sauvés. Apparemment oui, mec. Mais bon, c'est clair, filons d'ici. Et ben vous savez quoi? On va sauvegarder maintenant, et on va s'arrêter. Hop. Hop. Voilà, on va s'arrêter là, pour l'instant, en pleine crise. C'est un gros cliffhanger. Hop. Hop là. Donc, si vous avez regardé sur YouTube jusqu'à maintenant, et ben j'espère que vous avez aimé. J'ai fait des pauses normalement, donc comme je disais à Salania, à peu près toutes les 35-25 minutes, à peu près. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit agréable à suivre sur YouTube, pour pas vous bloquer 2 heures à chaque fois. Et puis bah du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. On se retrouve tout bientôt. À plus.